Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on est sur un petit nid de frelons asiatiques. Encore une fois. Hein? Allez, je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc, encore mal placé. Hein? Sous un abri. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais il est juste ici. Donc, il va falloir que j'escalade tout ce bordel. Mais il n'y a pas de souci. Allez, je me prépare et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Donc, vous voyez, un figuier. Donc, là, ils sont pas mal. Donc, encore un endroit mal placé, sous un abri, là où les gens rangent du matériel. Donc, on va aller voir ça. J'espère qu'un jour, le frelon asiatique, il ira pas s'installer, là. En haut de ce poteau électrique. J'espère qu'ils auront jamais l'idée. Allez, je vous montre ça. Bon, il va falloir que j'escalade. Faire attention à ne pas tomber. Alors, on a pas l'air solide. Allez, je m'approche du nid. Déjà de la présence, donc il est juste là. Salut les petits frelons. Alors, quoi de neuf? Y'a quelqu'un? Bon, on va le traiter celui-là. Allez, ça y est, là ils sont énervés. Bon, vous voyez, encore mal placé. Et ben ouais. Je le dis souvent, ça, c'est que c'est mal placé, mais c'est pour ça que je vous montre ces petites vidéos pour que vous voyez que dès que vous rentrez dans une saison de frelons, faites attention autour de vous. Un nid peut se cacher même partout. Les frelons asiatiques, c'est quand même leur particularité, c'est ça. Bon, maintenant, ça y est, ils m'ont vu, ils m'attaquent. La caméra aussi. Mais bon. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, une petite intervention de frelon asiatique, encore une fois. Allez, je vais vous montrer où il est. Alors, vous voyez, on rentre dans une petite grange. Voilà, où il stocke du matériel. Et le nid, il est juste en haut, là. Juste là. Allez, encore un endroit mal placé. Allez, c'est parti, je m'habille. Et prêt pour le combat. Allez, je ferme la porte parce qu'il y a ce petit chien, j'ai peur qu'il vienne. Il ne faudrait pas qu'il se fasse piquer. Bon, l'accès est quand même un peu difficile. Parce que je ne vais pas avoir beaucoup d'auteur. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. On va aller s'amuser un peu. Bon, on va le gagner. Il
L'avantage, c'est que je peux me cacher derrière le poteau, quoi. Bon. Bon, elle est vidée. L'accès est short. Bon, vous voyez le nid? Là, ils m'ont repéré. Ça commence à sortir. J'ai une poutre derrière qui m'embête. Là. On va remettre la dose. Vous voyez quand même, dessus qu'il y a des attaques. Donc vous voyez, ils arrivaient par-dessus les tuiles là. C'était quand même assez facile pour eux. Vous voyez, ça reste des frelons asiatiques. Hein. Ils ne se mettent pas trop dans les greniers et tout ça. Mais quand il y a des accès comme ça, ben, ils aiment bien, c'est pour eux. Cette poutre au-dessus de la tête, imagine. Regardez les attaques. Allez, on fait un petit coup. Un soutien. Et dans cette position un peu drôle avec toutes ces attaques de frelons, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les Dédés.